Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à économiser 20 000 euros en 6 mois et je vais t'expliquer un petit peu mes deux méthodes principales pour économiser de l'argent. Ces deux astuces vraiment qui ont changé ma vie au niveau des économies parce que avant, clairement, j'avais du mal à finir les mois et depuis, ça m'aide énormément et ça fait plaisir de voir une telle somme sur son compte rapidement. C'est ce qu'on va voir, n'oublie pas de t'abonner, à tout de suite. Alors la première méthode est simple, mais pourtant très peu de gens le font. Cette méthode, c'est que dès que vous avez votre salaire ou pour les entrepreneurs, quand vous touchez de l'argent, vaut mieux d'ailleurs pour les entrepreneurs ne pas avoir à chaque fois l'argent qui va jour par jour sur votre compte parce que c'est très difficile à gérer. Faites comme si c'était un salaire, dans Stripe, vous pouvez configurer et faire en sorte de recevoir votre salaire juste une fois par mois. Donc configurer Stripe ainsi, c'est beaucoup mieux pour gérer vos comptes. Donc que vous soyez salarié ou entrepreneur, la meilleure chose à faire, c'est que dès que vous touchez l'argent, hop, la priorité, ça va être de prendre à peu près 20% de cette somme et de la mettre sur un autre compte, d'accord? C'est très facile avec les applications. Moi, j'ai une application Crédit Agricole où on peut faire des transferts comme ça d'argent du compte. Ça prend 30 secondes et au moins, ça vous sauve la mise. Vous avez tout de suite cette économie de côté. Alors, vous dites peut-être que 20%, c'est énorme par rapport à votre salaire parce que, voilà, c'est pas possible. Si c'est pas 20%, c'est pas grave. Ça peut être plus parfois, mais ça peut être moins. Ça peut être 10%, ça peut être 5%, ça peut être 3%, ça peut même être 10 euros. Mais juste prenez cette habitude de pouvoir prendre une partie de l'argent et de l'économiser en mettant cette partie de l'argent sur un autre compte. D'accord? Donc, il faut savoir que y a le basique livret A. Mais ce livret A, faut savoir que c'est jusqu'à 22 000 euros. Donc après, vous pouvez ouvrir un autre compte. Il y a plein d'autres comptes qui sont possibles. Mais le tout, c'est vraiment d'arriver à faire ça parce qu'on se sent beaucoup plus en sécurité une fois qu'on a fait ça. Parce que oui, en fait, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que ils vont recevoir leur salaire. Après, il y a les prélèvements automatiques, tout ça. Et puis voilà, s'il reste un peu d'argent, en fait, ils vont plutôt se dire. Tiens, je vais aller me faire plaisir, je vais aller acheter un nouveau manteau, je vais aller acheter un cadeau pour tel, tiens, je vais aller au restaurant, et puis j'économiserai seulement s'il reste de l'argent à la fin. Sauf qu'en fait, au final, il reste jamais de l'argent à la fin, et cet argent disparaît en fait dans... Parce que vous vous dites, j'ai de l'argent, je peux le dépenser, d'accord? Et à la fin, vous n'avez plus rien. Pour le mettre au niveau des économies. Alors que si, dès le début, hop, vous coupez cet argent, vous le mettez sur un autre compte, eh bien après, au moins, vous ne pouvez pas dépenser cet argent qui est sur un autre compte. Et donc, ça facilite largement les économies. Donc ça, c'était pour la première méthode. Vraiment, pensez à le faire, ça change la vie. La deuxième méthode, eh bien, ça va être tout simplement de gagner plus pour économiser plus, en fait. C'est ça le truc. Alors vous dites, ouais, c'est facile à dire, mais comment faire? Je vous dis pas forcément de faire du black. Aujourd'hui, on est là actuellement en 2019, et c'est possible de gagner de l'argent sur Internet sans bouger de chez vous. Moi, je n'ai qu'à me retourner et je peux faire de l'argent sur Internet sans bouger de chez moi. Donc c'est aussi simple que ça. Ce que vous pouvez faire, vous connaissez peut-être déjà ma spécialité, c'est l'affiliation marketing. L'affiliation marketing, qu'est-ce que c'est? N'importe qui peut le faire, pas besoin de diplôme. Il suffit tout simplement de vendre des produits qui ne vous appartiennent pas, d'accord? Et vous touchez 50% de la vente en moyenne. C'est ça. Il suffit juste en fait de promouvoir un lien URL où dans le lien URL, il y a votre identifiant de vendeur, on va dire. Et toutes les personnes qui vont acheter par votre lien, l'ordinateur va reconnaître avec votre identifiant que c'est vous qui a envoyé le client. Et la vente sera 50% pour vous. Donc ça fait de l'argent en plus pour vous. Et donc ça peut être un très bon complément de salaire. Et ce complément de salaire, eh bien, il peut vous servir pour acheter une nouvelle voiture, pour les loisirs de vos enfants, pour vos courses. Moi, pendant longtemps, ça m'a servi pour payer le loyer quand j'étais étudiante, pour payer ou mettre tout simplement de côté, en fait, ou pour payer le crédit de votre maison ou ce que vous voulez. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais vous pouvez économiser de l'argent comme ça en gagnant plus sur Internet. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai créé une vidéo de présentation sur l'affiliation marketing pour vous expliquer un petit peu
comment ça se passe. Donc vous avez un lien juste en dessous, c'est marqué vidéo de présentation sur l'affiliation marketing. Vous regardez la vidéo et puis ainsi vous allez comprendre un peu plus le mécanisme et voir si ça peut être fait pour vous. Alors non, ce n'est pas de l'argent forcément qui arrive comme ça du ciel et puis ça va marcher tout de suite. Au début, ça demande quand même du travail, d'accord ? Au début, il y a du travail et c'est après que ça tourne en automatique. Là, actuellement, j'ai des sources de revenus en affiliation qui tournent en automatique, mais au début, j'ai passé du temps quand même devant l'ordinateur, ok ? Mais une fois que c'est fait en place, si vous travaillez bien, j'ai une formation, si vous voulez savoir vraiment comment faire de A à Z, j'ai une formation à ce sujet. Pareil, le lien est juste en dessous, vous pouvez regarder. Et si ça vous intéresse d'apprendre à faire la même chose, vraiment parce que vous êtes perdu au niveau de la technique, vous dites « Ok, c'est intéressant, mais comment je fais étape par étape ?» J'ai une formation pour ça, vous regardez si ça vous intéresse. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous trouvez une autre source de revenus pour gagner plus, ok? Voilà pour cette vidéo, les deux principales façons de faire pour gagner plus et économiser de l'argent. Si vous avez d'autres méthodes à me donner, eh bien, mettez-les juste en dessous. Et comme ça, ça compléterait la vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas de regarder un petit peu les liens juste en dessous. Ciao! Thank you.